Donc, membre du tandem Casa, Maurice et Grégory. Donc, papa est un condompophile extrêmement connu. Donc, on a gagné par le passé 6 victoires nationales, dont 2 en 2012. Et nous utilisons les mélangeons de Robase déjà depuis certainement une trentaine d'années. Donc, ici, j'ai dans les mains Olympic 15, premier national de Bourges 2012. Ce pigeon a volé 7 fois top 50 de grandes compétitions, c'est-à-dire soit nationale, soit interprovinciale, soit centre-est. Je pense que c'est le meilleur voyageur qu'on ait jamais eu. Depuis qu'ils ont sorti les mélanges exclusifs, nous utilisons ces mélanges exclusifs. L'élevage exclusif auquel je rajoute le sport casard. Ce sont deux mélanges différents. L'exclusif, je trouve qu'il a énormément de petites graines. Ce qui est bien pour l'élevage des pigeonneaux jusqu'à 7-8 jours. Et à partir du moment où les pigeonneaux ont plus de 7-8 jours, les parents préfèrent manger les grosses graines. Et donc dans le mélange sport, on retrouve un peu plus de poids anglais. Et je trouve que la composition des deux est un bon mix. Et je trouve la qualité, en tout cas le plumage et tout ça lors de l'élevage est excellente. Lors de la rentrée, uniquement le premier repas, nous mélangeons les deux ensemble. Je pense que quand les pigeons ont fait beaucoup d'efforts, ils aiment aussi manger plus à volonté, donc on mélange les deux. Par contre, à partir du dimanche jusqu'aux 4-5 derniers repas avant la compétition, nous utilisons le dépuratif avec maïs 418. Et pour les 5 derniers repas, 4-5 derniers repas, nous utilisons le sport 715. Auquel on rajoute pour le dernier jour un peu de mélange dessert, un peu de mélange d'énergie. Et donc nous avons fait comme ça toutes les dernières années et nous en sommes satisfaits.